Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer quelque chose. Donc tout le monde connaît les pots en pinceau qui sont chez Sephora, donc à savoir les vases carrés transparents avec les petites billes dedans, qui n'a pas mis sa main dedans. Et je trouvais ça génial en fait, et c'est vrai que ça faisait un moment que j'étais à la recherche d'un moyen de ranger mes pinceaux qui n'abîme pas les manches, qui soit pratique, que j'ai tout à portée de main et qui soit joli. Donc moi je trouvais que les petites billes en verre, c'était justement que ça pouvait rayer les manches, etc. Que c'était pas forcément parfait, on va dire, même si ça, c'était, enfin, je trouve que c'est une super idée, que c'était joli, etc. Donc j'ai cherché pendant un long moment une solution alternative, donc j'ai enfin trouvé. Donc en fait c'est pareil, c'est des petites billes transparentes comme ça. Donc en fait c'est exactement la même chose, sauf que c'est mou en fait. C'est comme, du latex ou je sais pas, c'est mou en fait. Je sais pas comment vous montrer en fait, mais ça ressemble vraiment aux billes, je sais pas si vous allez pouvoir voir, aux billes qui a chez Sephora en fait, sauf que c'est mou. Donc voilà, donc j'ai réussi à trouver ça. Donc en fait, à la base, ça sert à rembourrer à fabriquer et à ce qui sert à rembourrer les nounours, les poupées, etc. Donc en fait, ça s'appelle du granulex. Donc là, c'est une poche d'un kilo parce que moi, je voulais un gros pot à pinceau. Après, il y a des plus petits formats. Donc je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos où vous pourrez trouver ça en fait. Donc la marque c'est Glorex, en fait c'est une marque suisse qui fabrique ça. Hop. Donc voilà, et j'ai aussi à trouver un gros vase carré chez Jiffy. Après voilà, moi j'ai vu un truc énorme, mais vous pouvez bien sûr faire ça avec dans des pots plus petits ou d'une autre forme, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Donc voilà, donc hop, on met tout dedans. Tiens, ça. Hop. Et donc après, vous pouvez mettre vos pinceaux dedans. Hop. Ça tient nickel. Ça raye pas les manches. C'est joli. Hop. J'adore. Franchement, je suis super contente. C'est exactement ce que je voulais. Hop. Donc voilà. Donc vous pouvez mettre tous vos pinceaux dedans. Hop. Et ça tient vraiment nickel. Ça tombe pas. Et ça peut pas rayer les manches de vos pinceaux, donc c'est voilà, c'est vraiment une super alternative. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.